Quelle belle journée ensoleillée! Les oiseaux chantent, le soleil brille et... Raccoon cherche quelque chose dans les buissons. Tiens, un ballon. Non, ce n'est pas ce qu'il cherchait. Ah ah! C'était un œuf de Pâques! Je comprends maintenant. C'est une chasse aux œufs de Pâques. Et tout le monde participe. C'est très amusant. Quand ils auront trouvé le dernier œuf, Granny leur fera un cadeau. En route. Quel étrange moustique. Docteur Spooky, encore toi? Comment? Un dinosaure? Un dinosaure qui crache du feu? Tu es vraiment très méchant, Docteur Spooky. Dinosaure crache du feu, un bébé dinosaure et... un œuf de dinosaure. Oh non, le docteur Spooky est dans son laboratoire. Mais que fait-il? L'œuf de dinosaure. Le docteur Spooky va remplacer l'œuf de Pâques violet par l'œuf de dinosaure. Oh non! Attention, Monkey! Écoutez tous, grand-mère Granny. L'œuf s'est ouvert, le dinosaure a avancé vers la maison et le dinosaure a secoué la maison. Le dinosaure est là. Oh oh, il se dirige vers Monkey. Attention! Quoi? Oh, le bébé dinosaure veut simplement jouer. Passe-lui le ballon, Monkey. Quel bon tireur. Comme il est mignon. C'est l'heure de découvrir le cadeau de grand-mère Granny. Mais une minute, il n'est plus là. C'est un lapin de Pâques. C'est le docteur Spooky qui l'a. Au fond, même lui a son côté tendre. Quelle belle journée! Les fleurs admirent gaiement le soleil et de superbes papillons se posent sur elles. Quoi? Une minute? Pourquoi tout devient soudain gris? D'où vient toute cette fumée? Ah, regarde en haut, petit papillon! Tout est pollué! Voici nos amis de l'équipe Super Zoo. Ah ah, je m'en doutais. C'est bien l'œuvre du méchant Dr. Spooky. Il est là, ce vilain bonhomme.
Allez, on descend au laboratoire. Il faut trouver une solution. Kit, voyons ce que propose ton super ordinateur. Je crois que je vois où tu veux en venir. Il faut boucher le pot d'échappement du vaisseau. C'est comme ça que le nuage de fumée disparaîtra. Quelle super idée! Aux capsules de transformation. Monkey. Une minute, vous devez vous protéger. La pollution ne vous atteindra pas dans cette bulle. Ça y est, équipe Super Zoom. Voici le vaisseau du Dr Spooky. Il a même des pop-corn pour observer son horrible spectacle. Attrapez-le. Oh, le Dr Spooky libère ses mignons. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Cathy? Jeter les pièces en bois sur les mignons? Quelle bonne idée! Oui, on l'a réussi! Récapitulons. Il faut boucher le pot d'échappement avec une des pièces de bois. Parfait. Monkey lance Cathy vers le vaisseau du Dr Spooky. Et Cathy atterrit après un superbe lancer pile sur le pot d'échappement. Mission accomplie. Dr Spooky, t'as les prix qu'il croyait prendre. Bon vent, vilain monsieur. Mais il reste encore un petit détail. Allez, Granny, utilise ta magie. Les bulles magiques de grand-mère Granny dissolvent la pollution. C'est féerique. La nature est de nouveau pleine de vie, comme elle doit être. Fais-nous une bulle géante, Monkey. À la prochaine, Dr Spooky.